Oh 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 oh! Joyeux Noël les banculés! Comment est-ce que vous allez? Voilà. Et aujourd'hui, en ce magnifique jour de Noël, on va ouvrir le pack. Je sais pas comment il s'appelle. Le pack légendaire de la saison 2 des banculés. Let's go! Ouais! C'est le légendaire, je crois. Je sais pas, il m'a coûté 160 boules. Le pack des banculés. Je sais pas pourquoi j'ai acheté. Acheter la saison 1, c'était rigolo. Regardez, il est là. J'ai le pack de la saison 1, c'était rigolo parce que c'est premier, le 2. Je sais pas, je suis pas une chaîne d'unboxing, moi aussi. C'est vrai que je fais quand même beaucoup d'unboxing. Là, j'aime bien ça, écoutez. Sauf quand il s'agit de voir le prix et d'acheter. Mais ça, je regarde pas le prix. Comme ça, y a pas de problème. Wow. Oh, il s'ouvre pas plus. Il s'ouvre pas plus comme ça. Wow. Oh, c'est quoi ça? Paquet de cartes. Oh, c'est un. Oh, on avait un truc complet comme ça dedans. Je sais plus, j'ai perdu le nom. On a un truc complet de cartes machin. Oh bah c'est cool. C'est cool. Je savais même pas. Incroyable. Ensuite on a le t-shirt. Oh le t-shirt Voncul. Du coup va falloir que je change le t-shirt. Voilà. Le t-shirt c'est fait. Ensuite on a le tapis de souris. Le tapis de souris. Regardez. Oula oula il est grand. Oula. Oh il y a des cartes géantes. Il y a des cartes géantes en dessous. Regardez. Oula attendez. D'abord. Regardez moi ça le tapis de souris. Tapis de souris collecteur de la saison 2. Souris des précommandés. Il est sympa. Les pirates, c'est Steve, tout ça. Mais sympa, il y a même le cul de cochon. Oh, il est bien fait le cul du cochon. Non, c'est pas le cul du cochon triste. C'est la patte du cochon là qui est pliée, qui fait un pli. Du coup, les cartes géantes, bah je suis obligé d'aller directement sur les cartes géantes. Écoutez, on voit que ça. Regardez les cartes géantes. On a l'Atlas. Le Viking. C'est quoi ça? Le Breaker. L'Immortal. L'Immulator. Ok. C'est cool. J'ai mal comme ça. Il faut que je me remette dans ma position normale. Là, on a la petite boîte. Une boîte où on va mettre. On mettra sûrement les doubles, j'en sais rien. Je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien. Regardez. Regardez là. Il y a machin d'or. Le play bouton en or. Trop bien. Là, on a deux packs de sleeves. On a 200 sleeves. Et bah, c'est beaucoup. Je pensais pas en avoir autant. Oh, elles sont sympas. Pour pouvoir ranger mes cartes Pokémon. On a. Oula, il y a un petit papier dessous. Il y a un petit papier dessous, je t'ai vu. Les règles du jeu. C'est les règles du jeu. On a les règles du jeu, les gens. On va pouvoir les apprendre. Ouais, y a beaucoup de mots, hein. Mais ça apprendra pas du coup. Ça, le poster. C'est Link à l'école qui mange une pomme avec un verre. C'est pas bien, faut pas manger en classe. Ne faites pas ça, les gens. Et là, il y a Télacide qui. Il fait quoi? J'en sais rien. Qui va prendre son goûter avec cette casquette là. J'ai la même casquette. J'ai la même casquette que lui. Attendez. Regardez. Incroyable, non? Waouh. Trop bien. Ça aussi j'ai acheté pour une vidéo qui est jamais sortie. Et ensuite ça c'est le classeur. Dedans il n'y a rien, hein. C'est juste un classeur dedans. Le classeur, voilà. Il est sympa, hein. Ouais. Daniel Jones. Donc, du coup, la boîte, elle est vide. Maintenant, on va commencer l'ouverture des cartes. Enfin, je précise au cas où parce qu'on sait jamais, sinon l'ouverture, il peut y avoir plein de choses qu'on peut ouvrir. Genre la boîte, on peut la réouvrir, mais ça sert à rien. Merde, non! Non, putain, il est déchiré! Fais chier! Ah, fais chier! Comment ça, il s'est déchiré comme ça, là? Putain, j'ai même pas fait gaffe! C'est moi qui l'ai déchiré, mais j'ai entendu aucun bruit de déchirure. J'ai peut-être déjà déchiré avant. Non, mais fais chier, tiens! Oh, ma superbe boîte à 160 boules! Alors, regardez, ma superbe boîte. Donc, faut que tu t'ouvres, toi, par contre. Allez, hop là, parfait. Hop là, super. Et merde, comment ça se met, du coup? Comment... Comme ça, regardez. Ça se met comme ça, je crois. Et voilà. Et maintenant, ça, je peux y amener en magasin et y vendre. Attends, ça coûte combien, un paquet comme ça, tout seul? Ça coûte dans les 110, je crois, non? Il y a 10 paquets. Oula! Et voilà. Ça, maintenant, je peux y amener dans mon bar de tabac et y vendre 15 euros unité. On va devenir riche. Je vais voir, mais vont-ils compus? C'est-à-dire que c'est la collection campus, c'est ça? J'en sais rien, peut-être. On ouvre ça. Allez, hop là, on commence. Donc, ah oui, on commence avec un terrain, un œuf. L'œuf sur le PC, il en avait foutu partout. On commence avec le terrain œuf. Looting. Oh, le lutin, il est grosse bouloche. L'aristocrate, livreur, triple champion consécutif du lancer de colis fragile. Le skieur, le braqueur. Un petit nerveux qui a une fâcheuse tendance à tirer un peu trop près des civils. Oh! Oh, elles y sont! Elles y sont ces cartes, c'est incroyable, je savais pas qu'elles y étaient. Je me suis quasi spoilé aucune carte. J'ai essayé de me spoiler le moins possible. Incroyable. Oh ouais, let's go, moi je voulais sexy. Hein. Bon, bon, n'essayez pas de lui assister car vous risquez d'avoir très mal et d'aimer ça. Hein. Oui, oui. Oh là, Carlito. Il a plus de cheveux que dans la vraie vie. Rescapé.
No homo. Bon, et bah allez, on continue. Donc, théâtre de Saint-Denis. C'est quoi ça? Plein de chien. Le pharaon. Elle a des cheveux gras et des verrues. Peabody, let's go. On avait la grosse carte, on a la petite carte maintenant. Merde, vous voyez pas. Peabody. Il a mis son portail bleu dans son portail jaune pour voir ce que ça faisait. Il a créé un trou noir. Oh, le Père Noël. Oh là là, quelle coïncidence. Je viens de le quitter tout à l'heure, là. Il a sombré dans la dépression. Personne ne croit en lui alors qu'il a fait 50 heures par semaine depuis un siècle. Ça, c'est faux. Moche. Bah, il a raison. Au débat de prendre la douche le matin ou le soir, il répond ni l'un ni l'autre. C'est pas moche, c'est puant. Vieux. Là aussi, il y a des vieux. Oh, le combo vieux. Let's go, combo papy, là. Hippie. Il s'appelle Dylan. Grim Cujo. Le Grim. Alors, en fait, je crois d'un côté, il y a des brillantes, et d'un côté, il n'y a pas de brillantes. Mais je sais plus. Terrain. Quoi? Prairie. Prairie des loups. Ah, c'est le loup-galou. Ok, donc, paladin. Le paladin. Ah bah voilà, c'est bon, on a le combo. Atlas. Atlas Link. Ça fait maintenant 6 jours qu'il tombe en boucle dans ses propres portails. Cosplayer, let's go, on a Link. Bête de la ruche, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, on a une double. Bon, ça m'embête pas trop de l'avoir en double, celle-là, je vous avouerai. Oh, bah lui un peu plus. Théorus. Théorus. Et Théorus. Oh, la bête de la ruche en brillante. Incroyable. La bête de la ruche en reverse. Waouh. Elle est belle. Elle est bien celle-là. Elle est bien. Invasion Z. Ok. Invasion de zombies. De zombies. Le skieur. Ok. Oh, la pelote de laine. Vous voulez une anecdote? Ce jeu-là, un jour, je l'ai commencé avec un pote. On a commencé à faire des vidéos dessus. Que j'ai jamais fini de monter parce que niquez-vous. Allez, salut. Moi, rapprochez-vous. Non. De toute façon, tu peux pas échapper. On a nos cœurs reliés. Oui. Arrête de dire ça. Et du coup, on n'a jamais fini le jeu. Voilà, Plot de laine. Il est fasciné par le monde, mais inconscient. Un énorme berger allemand va lui pisser dessus. Oula. Le bug, oula, merde. Oh non, mais il y a du... Il y a du binaire, j'ai pas envie de traduire du binaire. Et bah, je le traduirai là, voilà. Vous savez ce que ça veut dire, là, tout de suite. Voilà, c'est ça qui est marqué. Skieur, oh bah, c'est cool, on a le deuxième skieur. Domingo, let's go. McFly, oh bah, super, il y a le duo. L'Immolator. J'allais dire encore, mais non, c'est à Card Jump qu'on a eu, l'Immolator. Ce qu'il veut, c'est avoir un ami, ouais. Mais moi, j'ai pas d'amis. De face, ouais. Vous ressentez un énorme malaise en la regardant droit dans les yeux. Bah, regardez-moi ce bel homme musclé, là. Cette belle musculature. Comme il est beau, comme il est sexy, là. Oh là là, l'homme parfait. Oh, Wilson. Wilson en reverse, incroyable. Wilson. Non, Wilson. On a eu le décollage, ça va décoller. La deuxième pelote de laine, c'est cool. Oh, Freddy's, Foxy's. Ah bah, c'est cool. Il est très content d'avoir accepté ce job de rêve. Il adore les pizzas et les peluches. Oh bah, s'il est content, c'est l'important, hein. Il faut être heureux dans la vie. Retenez toujours ça, les gens. Faites ce que vous aimez, pas ce que vous n'aimez pas. Bête de la rue, j'en ai déjà eu. Catcher. Oula, oula, c'est quoi ça? Oula là là. Pas dessus, la troisième corde. Sympathique, lui. Domingo, encore. Imite. Il imite. Alors, bon, eh, le paladin brillant. Incroyable. Paladin en... C'est pas légendaire, ça, je sais pas. En argent. I'm not that Freddy's. Ah non. Ah non, 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 c'est bon. La dernière fois, j'ai déjà été mettre mon chapeau. Là, je vais pas remettre mon chapeau Freddy. Ah non, mais il y a 24 paquets dedans, pas 10. Je croyais qu'il y en avait que 10. Discobus. Oh, il est sympa. Cambrioleur. Ok. Le livreur. Ok. C'est quoi? La licorne. Oh, la licorne. Wilson. Non, Wilson. Je l'ai pas vu. Il y a... C'est qui, ça, derrière? Link, Terracide. Terracide. Non, c'est Link. C'est Terracide. Il y a Terracide à poil derrière. Wilson. Mais non, c'est Link. Mais oui, du coup, c'est Terracide, Wilson. Enfin, Wilson, mais du coup, l'autre, là, c'est Terracide. Je sais plus son nom, j'ai oublié. Le diable. Satan. Foxtag. Oh, bah, c'est cool. On lui a donné le choix entre grimper l'Everest et avoir son bac mention bien. Gordon. No homo. On l'a déjà eu. Inoxtag. En brillante. Oh, oh, sympa. Oh, elle est cool, Inoxtag. Livreur, on l'a déjà eu. Viking. Oh, le deuxième Viking. Cool. Braqueur. Soldat américain de World War II. La plus grande tristesse, c'est que le temps était couvert le jour du débarquement. Le développeur. Oh, il est sympa, c'est. Et Peter McCain. Donc, ça, c'est quoi? Red Viewer. Oh, un Red. C'est bien les Reds. On a Foxy encore. Freddy's, pas Foxy's. Pharaon. Bah, le deuxième Pharaon, il est cool. Videur. C'est mis à faire des prises d'étranglement sur des personnes au hasard. Sympathique, ça, dis-moi. Deuxième catcheur, cool.
Oh là là, mais regardez-moi ce corps musclé là. Ce corps musclé, ces pectoraux. Ce slip moule bite. Attention, il y va avec la chaise, ça va être un massacre. Cache-cache. Ah ouais, il est caché. C'est vrai, je vois plus. Ok, Inox Tag, en brillante encore, mais on l'a déjà eu. Évasion. Évasion, ça garde de quoi ça? Je sais pas, je connais pas. Vraker, on l'a déjà eu. Marabouchik. Steve Zazaza, ouais. Je lirai pas. Ok. Aristocrate, le deuxième, enfin. Let's go. Punk à chien, ouais. Cool. Chirurgien. Comment ça, le cœur, c'est pas à droite? Molator, ouais. Joël. Auguste, il lui reste un litre d'essence dans l'hélico, ils doivent encore faire 15 km, ça devrait le faire. Les Atlas en brillante, waouh! Celle-là, on l'aura tout. Non, on l'a pas en légendaire. Si, elle existe en légendaire. Mais ouais, cette carte, on l'aura tout. On l'aura en géante, en normale, en brillante. Donc, c'est quoi ça? Mur de bite, oh les gros zizi, les gloss zézé. Le deuxième livreur, cool. Mur de zézé. Bah, le deuxième livreur, combo livreur. C'est parfait. Marseillais là, oh, hé hey, la petite! Je sais pas faire l'accent marseillais. La hache. C'est la hache. Quelqu'un a vu la hache? Imite, le deuxième, let's go. Et la pelote en brillante. Oh, c'est cool la pelote. Oh, elle est sympa. Donc, il n'y a que la pelote qui brille. Oh, elle est sympa la pelote en brillante. Elle est grave sympa, j'aime bien. Le lutin, ok. Ah, mais on a la correction en fait. La suite du lutin, c'est le Père Noël. Ok, j'ai juste de comprendre. Sexy. Il nous faut la deuxième sexy. Elle, on s'en fout. On l'a déjà. Trois fois. Mais après, ça me dérange pas. Rescapé. Quelqu'un a encore mangé toute la réserve de nourriture, mais impossible de savoir qui. Oh, j'ai chouiné, c'est bien. Ouais. Et Hawk. Hawk. Tout premier détenteur du ticket d'or, mon cul. Ça en jette sur le CV, non? Ouais, c'est bien, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être un ticket d'or, mais ouais. C'est un ticket d'or, lui. Il est sympa. GG, mec. T'as gagné. Ticket d'or. Donc ça, c'était la 11e carte. Les cartes ticket d'or, comme lui, là. Je ne savais pas, en fait, dans chaque... précommande, il y a 5 tickets d'or. Et ceux qui ont un ticket d'or, ils peuvent avoir une carte. En gros, ils peuvent avoir leur propre carte. Et les cartes qui y sont, elles sont pas à la place d'une autre carte, elles sont en plus. Donc là, je viens d'avoir 11 cartes alors qu'il y a 10 cartes dans le paquet normalement. Enfin, normalement, après, je sais pas, j'ai pas compté. Je peux plus vérifier, j'ai mélangé les cartes avec l'autre. On saura jamais. Sauf si j'ai un autre ticket d'or. Encore, mais putain, mais ils me pètent tes couilles, ces zombies de con. Le moche. Et toi, t'es moche, ouais, c'est vrai. Pelote de laine. Ok. Le Marseillais, le deuxième Marseillais, la Marseillais Link, c'est une petite pétinque. Alors Marcel, tu tiens ou tu pointes? Coteur sur gage. La poupée. Bête de ruche, mais y a pas une deuxième bête de ruche par hasard? Parce que j'en ai qu'un seul. Là. Pas d'adopter le même. Heureusement que le patient a une bonne mutuelle parce qu'il va y avoir du boulot. Cache-cache. Ok. Pelote de laine, la deuxième pelote de laine brillante, on a la collection, cool. Oh, c'est cool ça. Oh, elles sont sympas en plus. Elles sont sympas. C'est vraiment cool ça. Là, je suis content. Même si on dirait pas. Donc aristocrate, très bien. Paladin, pas eu celui-là. Il y a une princesse en détresse, alors comptez sur lui pour en profiter et voler son or. Sympathique le Rolf. Moche. Bah lui il est moins sympathique, tu vois. Le vieux, on l'avait déjà eu. Avec un claque conquête, ouais. On avait eu la doublette de vieux. Comme ça. Et là on a re-eu une doublette de vieux, putain. Sully, c'est bon mon gars, t'as 65 ans, c'est plus de ton âge, faut arrêter les conneries maintenant. Inox Tag, hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il veut, Inox Tag, là, il va à peine me coller le cul. Inox Tag brillant, là. Donne-nous-en moi d'autres, des brillants, je sais pas, comme, Link Thoracic en or, genre, peut-être, ou Freddy, ou... Bah, c'est bon, j'en ai rien de plus de Inox Tag, là, il me colle au cul depuis tout à l'heure. Je l'ai même pas regardé, sa vidéo sur l'Everest. J'ai vu que la vidéo sur l'île déserte. Un mur de bite. Ah, ça, c'est bien, par contre. Ça, c'est bien, ça, j'en suis satisfait. La Rasta. Eh man, tranquille, on n'est pas pressé. Allez, tsunami, ça veut rien dire. Monte plutôt le son de trio. Peabody, on l'avait déjà eu lui aussi. Wilson! Inox Tag, mais vas-y, mais Inox Tag là, c'est bon. Là, maintenant j'ai la haine contre Inox Tag, c'est bon, je l'aime plus. Je vais le bannir. Pire youtubeur, j'ai fait un top 10 des pires youtubeurs, il sera dedans. Ellie! Oh, bah du coup, on a Ellie. Prêteur sur gage. Catcher, oh! Oh, les cartes comme ça là. Les cartes qui ont avec un rendu spécial en brillant, c'est trop cool. Le catcher comme ça, avec ses beaux abdos là. Très beaux abdos, même rien. J'ai pas vu, mais l'écriture catcher elle est brillante. C'est stylé. Regardez, on voit son pied. Son gros pied là. Le gros pied. Incroyable. Franchement. Ah, ils sont tombés. Non, je peux plus la récupérer. Oh merde. Tant pis. Nuke. Ok. La licorne encore. La deuxième licorne, enfin. On a eu combo licorne. Combrioleur. Ok. Skieur. Ok. Trophée, let's go, on a le trophée les gens. Banquet Studio, là, qui était assis, le trophée des 100 000, let's go.
Incroyable. Et puis, il s'appelle Dylan, vit chez ses parents en Ardèche et toujours sans emploi. Peter McCain. Atlas en brillant encore, bordel, mais toujours les mêmes. Lootbox. Ok, sympa. Freddy's encore. Ok. Il n'y en a même pas l'autre. Oh, triste. Cosplayer, le deuxième. Cool. Cool, lui. Le Fury, let's go. Regardez-moi ces muscles saillants, là. Mais on les voit pas. Regardez-moi ces gros poils poilus. Le Fury. Incroyable. Vous n'êtes pas censé apprécier cette carte plus que ça. D'accord. Bah, pardon, je m'excuse. Rust. Le combat approche, mais un type chiant arrête pas de l'interviewer. Le quiz. Quiz Minecraft. Ok. C'est le quiz. Le quiz. Ange. Un ange. C'est un ange. Air de repos. Air de boutreau. D'accord. Skieur. On l'avait pas ce skieur, il est sympa. J'aime bien. Marabouchik, on l'avait pas vu. Je vois deux idiots perdus en Europe de l'Est qui essaient de lire des panneaux. Alix. Depuis qu'elle a cherché son nom sur Route 34, ce n'est plus la même. Putain, mais je viens de la voir là. Bordel de merde, zombie de con, ouais. Pharaon, ok. Boule de Noël, ok. Cosplayer, ok. Livreur, ok. Chirurgien, ok. Sexy, ok. C'est pas la bonne. McFly, ok. C'est bien. Oh, des faces. Oh, putain. Oh, regardez-moi ces muscles là. Oh, oui. Muscles saillants. Regardez-moi cet homme sexy là. Petit pectoraux. Chirurgien en légendaire. Chirurgien en légendaire. Ouais, pourquoi pas, sympa. L'Inca. Oh, il est sympa, l'Inca. Il a une bonne tête. Et les bugs en brillant, sympathique. Donc là, cette fois, je mets la traduction du binaire de partout. Voilà. Le skieur, le livreur, Freddy, putain, mais... On peut pas avoir l'autre Freddy aussi ? Quoi ? Oui, c'est la seule chose qui me préoccupait, alors. Oh, j'ai passé 4 mois à devoir explorer le lore de con, là. Tout ça pour une vidéo qui est jamais sortie. Mais qui sortira. Un jour. Peut-être. Sexy. On peut pas avoir un deuxième sexy aussi, là ? Immolator, oula, Immolator en shiny, ouais bah pourquoi pas, elle est bien. Il reste 3 paquets les gens, dont ce paquet là, qui est bugué, regardez. Là c'est bleu, alors que ça devrait pas être bleu. Il y a un problème au niveau de l'encre pour l'imprimante, au niveau de l'encre jaune. Je m'y connais, soldat allemand, le deuxième soldat allemand cool, il voulait juste s'amuser à manger de la choucroute. Mais un petit moustachu a décidé autrement. Et Nathan, c'est Nathan. Il aurait dû mourir environ une cinquantaine de fois, on va faire comme si c'était normal, bah oui. C'est Nathan. Joël. Vieux, ok. Gamin. Oh, il est sympa le gamin. Cool. Attends, mais du coup, s'il y a le gamin, ça veut dire qu'il y a le gamin avec ma casquette aussi. Avec sa casquette. Oh, mais il me faut l'autre gamin du coup. Il y a celui qui rappelle à la maîtresse qu'il doit y avoir un contrôle aujourd'hui. Le fils de pute, ouais. Mais non, la boîte, elle est vide. Donc, évasion. Sa dernière, il me faut le gamin. Il me faut le deuxième Freddy. Il me faut la carte d'or de Terracide. Il me faut la deuxième pute. Enfin, la deuxième sexy, je veux dire. Il me faut... C'est déjà bien, je trouve. Pelote de laine, ok. La deuxième pelote de laine, pourquoi pas. Viking, ok. Livreur, ok. Licorne, ok. McFly, ok. Vieux, ok. Prêteur sur gage, ok. Chasseur de démons, putain. Qu'est-ce qu'il fout là, lui. Guerrier chasseur de démons en compagnie de son elfe insupportable qui essaie d'être drôle. Du coup, il me manque des cartes et je suis triste. Très triste. Tant pis. Bon, les gens, c'est un échec. Déjà parce qu'il nous manque un Freddy, il nous manque un sexy, il nous manque 4 tickets d'or, il nous manque l'Inc et Terracide. Justin, mais en vrai, je sais même pas s'ils sont l'Inc et Terracide en ticket d'or. Enfin, en machin d'or. On a perdu. Je sais que là, normalement, je fais tout le temps une vanne où je rachète plein de trucs après et j'en rouvre, mais pas là. Pas là, non. Vraiment pas là. Ouais, bon, au départ, je vais mettre toutes les cartes dans le classeur pour pouvoir faire une autre stylée, mais regardez-moi tout ça, là. Regardez-moi tout ça, là. Je sais pas quoi faire, moi. Putain.